m'appelle Sabrina Sacconi, je suis professeure en neurologie et je suis la responsable du centre de référence maladies rares neuromusculaires et du centre de compétences de maladies neurogénétiques. Je m'occupe donc de maladies très rares et dont le diagnostic est parfois difficile et pour lequel on a à disposition des thérapeutiques qui sont très coûteuses et innovantes. Tout d'abord, faire un diagnostic le plus précoce possible. Et les nouvelles technologies nous aident dans cette tâche difficile. Donc, on a des projets dans lesquels on essaye de pouvoir apporter ce diagnostic aussi dans des régions qui sont un peu de l'arrière-pays ou pour lesquelles les patients ont des difficultés à venir nous voir en consultation. Pour le moment, on essaie aussi de se déplacer dans ces régions. On fait par exemple tous les ans en Corse, mais on utilisera des nouveaux outils comme par exemple la télémédecine et des outils alternatifs de la technologie pour pouvoir favoriser déjà le diagnostic des patients et ensuite le suivi des patients et aussi pour pouvoir permettre à ces patients d'accéder aux thérapeutiques innovantes. J'ai fait beaucoup de collaborations avec le CU Santé, qui est une organisation qui s'occupe à la fois de mettre en contact justement les citoyens, les patients avec le personnel médical et d'organiser des journées d'information qui sont très intéressantes. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses et que vous allez aussi vous amuser en découvrant les nouvelles technologies.